C'est parti donc pour ce nouvel épisode d'Uncharted, encore une fois, sorti de l'au-delà. Nathan Drake affronte les pyrénées bottes de l'univers, mais surtout le sien. On a cette approche, on a l'autre approche là comme ça. Alors, partons du principe que celle-là n'est peut-être pas la plus efficace. Si on devait, du coup, voilà, hein. Est-ce que c'est pas mieux de le jouer un peu finaux? Mais est-ce que c'est nécessaire? Toi d'abord. Mais mec, c'est pas possible ce M. Voilà. Après moi je fais ça avec un quasiment que dalle. Allez mon gars. Elle a couvert. Des fenêtres de tir. J'ai l'impression d'être, vous savez, fête foraine là, avec les jeux avec les canards qui sortent et qui rentrent dans les. Ce petit cri. Ah! Alors, le mec qui baraque, il fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est l'autre là qui me fait peur. J'aime pas les roulades. Les fameuses balles rebondissantes. C'était donc ça. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Ok. Il est où l'autre? Voilà. Ah, quelle grossièreté mon poteau hein. Alors, là on est quoi? Oh, on a des munitions, parfait. On va peut-être faire le tour hein, pour essayer de le prendre à l'envers. On va tirer toutes les armes qu'on nous laisse à disposition pour éviter de mourir comme un caca. C'est là qui... Vous savez quoi? Je sens le coup. Avec quoi? Quoi donc? Je sens le coup avec le fait que une fois qu'on va monter là-bas, on va prendre en main la mitrailleuse. Et genre le petit l'orgie d'adversaire qu'il va falloir vite calmer à coup de munitions infinies. En mode je suis le roi du monde. Ouais, je sais. Allez, mon gars. Bien aimé. Ouais, c'est ça, prouve-le. Moi aussi, je te vois. Discutons-en. Ah, toi, je te time out. Toi aussi. The Raining Man, alléluia. Ouais, super. Ouais, c'est-à-dire. Oh non. Toi bien. Hein. Qui donc? Mais montrez-vous. Ah, j'ai le stylo. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Ouais, j'étais sûr qu'il convulsait un peu. Ok, mon gars. C'est bon ou pas? Ouais. Yes. Allez, 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 un peu de force.
très bien. Ah, la caméra dégueulasse. Allez mon gars. Allez. La herse qui retombe derrière quand on dirait genre l'arrivée à une soirée du mercredi. Allez mon gars. Et le courage tes opinions. Prouve que tu existes. Ah. Chargez tout ça sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, mais... Regarde, là c'est à Disneyland. Regarde. Que tu vois ça. La tour de la terreur. Excellent. Quoi? Quand je redescends. Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon. Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Oui. C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok, ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Mais on peut faire les deux en même temps. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Tu vas pas avoir d'enfant, de toute façon. Mais c'est pas possible. Il faut savoir que Nathan Drake sera incarné par l'acteur de Spider-Man Homecoming. Et que ça a été officialisé quoi. Moi, bon, je suis très ouvert aux interprétations et tout ça, mais je... Je sais pas, ça m'a... Je trouvais que Nathan Fillon faisait tellement mieux, quoi. Il représentait tellement mieux le truc. Non, pas Andrew Garfield. Tom Holland, ouais. Non, toi, go. Ouais, le fait qu'il soit jeune, ouais, pourquoi pas, mais peut-être que c'est aussi dans une perspective d'imaginer plusieurs Uncharted, pour le coup. Mais, ouais, Tom Holland, quand même, je sais pas, ça me... C'est-à-dire que quand il y a eu Ben Affleck qui était annoncé pour Batman, bon, j'étais plutôt pour, et j'ai vu beaucoup de gens dire « Ouh !» Des gens qui s'expriment comme ça, il faut savoir, sur Internet surtout. Ou sur Discord. Oh bah non. Et donc je sais pas. Ah, c'est donc ça le breakdance en 2020. Ah ben, ça a pas bien changé hein. Donc du coup je sais pas, moi ça me chauffe. Tom Holland non hein. Sachant qu'ils ont, ils ont fait un reverse face avec les acteurs de... On se dit ça après. Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Au secours! Elena, j'y arrive pas! Donne-moi ton autre main! Ah, caméra, évidemment. Il faut que tu la lâches! Je sais ce que tu ressens. C'était un Logitech C920 quand même. Ah non, tu ne peux pas avoir filmé tout ça avec un C920. Mais si. Incroyable.
incroyable. Bon, on est passé de l'autre côté, c'était agréable ou pas? Ouais, voilà. Et ouais, donc pareil, hein, Robert Pattinson en Batman. Bon, à la rigueur, plus Robert Pattinson en Batman que Tom Holland en Uncharted. Hein. Aïe. Bah, je trouve que bah, pour avoir vu d'autres films avec Robert Pattinson, parce que c'est pas juste l'acteur de. Robert Pattinson, c'est pas juste l'acteur de. Mince. Twilight. C'est un très bon acteur. Donc je veux bien lui donner sa chance de la même manière que Ben Affleck, je trouvais que c'était un bon Batman, à qui on n'a pas donné sa chance. Le voilà. Ouais, le voilà. Et toi aussi. Ah, très bien. Très bien, très bien. Benson approuvé. T'as plus une réponse sur la boîte. Je crois qu'il y avait l'info qui avait circulé hein, sur qui pouvait interpréter Sully. En revanche, il y avait autre chose, ils ont fait un reverse face sur une séquence assez marquante de Retour vers le futur avec Robert Downey Jr. et Tom Holland qui ont respectivement remplacé les acteurs initiaux. Et c'était confondant de possibilités. Et ça, donne, ça laisse un peu rêveur sur le truc. Le duo marche bien, de toute façon. Oh, ça a dû faire mal. Mais ça faisait super bizarre. Nathan Drake. Evan McGregor, même doubleur. Uniquement. Burke Evan McGregor. Ah, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, ouais moi aussi, j'ai hâte de voir... Cette rivière devrait nous mener au monastère. J'ai trouvé que le... Quand ils ont montré des images... Oh non, pas les scooters des mers. Mon ennemi ultime, ça et les escaliers. Au secours. Non. Je voulais juste recharger. Quand tout à coup, j'ai lancé une grenade. On voulait juste recharger. Oh là là. Si on peut même plus lancer des grenades. Soyez des grenades libres. Volez. Soyez. Hein. C'est ce qui... Allons, ouais. Alors, peut-être que c'est dans l'autre sens, mais s'il y avait un peu plus de signalétique dans cette rivière, peut-être que on serait moins en galère. J'espère qu'ils ont waxé la vague, hein. Aïe, aïe. Allez. Ah, c'est tellement en galère, là, avec les mouvements de vague et tout. Ah, ça va tirer. Ouais. Ah, mais oui, mais c'est des. On est dans le niveau de Sonic avec les troncs qui tombent. Finalement. Voilà, voilà. Ouh. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et si nous serrions les fesses, fesses, fesses. Non. Tout va bien. Waxons, waxons la vague. Allez, 1, 2, 3. Oh, très bien. Secours. Je trouve ça plus sécurite d'aller se cogner contre les parois. Je trouve ça quand même vachement plus sécurisant. Et moins stressant, hein. Oui, dis-
disons que d'un point de vue... Bon sang, Elena, tire sur le baril. Et si j'ai pas envie ? Non, 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 non ! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se prendre quelques secondes ici pour recharger les points de vie. Ça va, ça va, ça va, ça va, on a fait le pire. Ça va. Sans maquille, je te vois, hein, je te jure. Allez. T'as vu, là, je l'ai tellement senti venir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu crois que... Chérie, est-ce que tu crois qu'il y a une assurance pour... Ouais, celle-là, on me la fait pas cette fois. Oh, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, aïe. Ah, là. Après, il était une fois la vie, c'est... Il était une fois la physique. Non, oui, non, 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 oui, non. Non. Oui, non. Aïe. Non. Pas les balles dans le dos. Non, je sens que je vais... Non. Pas la balle perdue. Ça va, facile. Toute la force est dans les bras. Hein. Waxer la vague, c'est le dilemme. Et il y a des... Il y a des PNJ qui sifflent en mode on fait un tour de garde et pendant qu'ils sifflent en bas il y a un mec qui a boum 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 j'arrive pas à me garer boum et il y a un mec qui est là et là je suis là ah, j'arrive pas à me garer au secours Elena. Ils sont là. Ouais, c'est moi qui me suis garé. Hein. Toi d'abord. Je crois que j'ai entendu un chat. Il faudrait genre que le moteur du scooter des mers face à un bruit genre un long miaulement genre maou un truc genre tu caresses le dos d'un chat quoi. Ok. Ouais je sais. Boom. C'est ça. C'est ça le créneau vieux. Mais ouais je suis pas ton vieux mon pote. Oh, oh. Oh, ça c'est bon. Ça recommence. Ouais, je suis pas ton pote, mon gars. Merci Zilog. Pose-toi. Merci Zilog. J'adore enfoncer les portes ouvertes. Mais d'où viennent les sifflements? C'est quelqu'un qui fait un tour de garde? Ou c'est un vrai animal? Ou est-ce que c'est les deux, un animal qui fait un tour de garde? Ralentis, tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Alors qu'on a été tellement discret. Allez, jusqu'à maintenant. Ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh, oh mon dieu! Il a fait un... Dégoûtant. Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Les soirées du mercredi commencent toujours comme ça, vous savez. Pour protéger leur or. C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve. Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut, que...
C'est Sully. Sully. T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi? C'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Et okay. Je m'y connais en charpie. C'est l'oiseau qui finit son tour de garde. Attention. Ah, je vais quand même pas foncer dans le tas, ce serait débile. On est d'accord ou pas? Reste planqué. Ils ont des viseurs à infrarouge. Ok, à plus. Ouais, ouais d'accord. Qui fait ça, mais sérieux, mon gars. Non, ça marche pas. Hein. Quel dommage. C'est l'histoire du laser. Et quelqu'un qui est encore là. Moi aussi, je te vois. Le mec. Le spécialiste de breakdance au fusil d'assaut. Genre. Ou comme dans Masque. Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. Incroyable. Desert Eagle. Joli. Merci, toi aussi. C'est déjà tout ce qu'il faut là. On peut avoir des munitions cool. Alors des pièges, hein. Ou des trésors, ou les deux. Alors mon gars. Ok. Qui, quoi, où? Comment? Alors. Oh. C'est pas mal. Une balle. C'est très incroyable. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Si j'ai pas envie. Alors. Ah, très bien, on l'a eu là. Quelqu'un d'autre? Okay. Là ça craint. Ah, c'est un peu violent. Et le mec? Oh non, 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 non. Ah, tu fais comment là maintenant que j'ai bloqué le. Hein? Meurs, 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 meurs! Incroyable! Nate, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi aussi. Moi plus. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Ouais. Ouais, je dirais pas que c'est un mauvais pressentiment, je dirais que c'est pire que ça. Merde. Oh, mais... Arrête. Ok. Ok. Un genou. Toucher, toucher. J'ai pas de sentiment, donc... Oh, il y en a un là-haut, là. Tire la tête, hein. Qui est caché là? T'es où? Ah, je veux dire à la fontaine. Il y en a un qui est à droite. Ouais, je confirme. Et il va y avoir la version supplémentaire avec les gars qui ont des lasers. Hein. C'est très séquencé, hein. C'est le genre de truc un peu classico-classique. Bah, j'avais pas remarqué en fait. Là pour l'instant, c'est les sous-fifres. On va se retrouver assez rapidement avec oh, le... Voilà.
C'est ce qu'on aime. On voit à peine, hein. Là, il fait le tour, il va peut-être passer derrière ce pilier là. La roulade, mon gars! Tu peux? Merci. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, ça marche, hein. Je vous le conseille. Non, mais il y a vraiment une hitbox de la fougère là. Il y a vraiment une fougère qui t'a protégé des balles. Ceci, c'est le premier. C'est incroyable ça. Ils sont où? Là, t'as une entrée. Hein. Non, c'est fini plus pour toi. Ah, parce qu'il y a un tir de rayon laser. Ça pourrait être utile. Ouais, bof. Non, évidemment. Merci, Milouche. Hey. Ravi de te revoir, tu me redonnes le sourire. Confiné, malade, merci d'être là et de rester planqué. Quoi? De rester planqué? Cœur. C'est-à-dire? Tu vas pas avoir d'enfant. Mais merci à toi, un très grand merci à toi. Ok. Merci infiniment. Et bon courage pour le confinement. Oula moula. Ah, il avait un fusil à pompe. Déjà un indice? T'es en train de me... Ouais, je sais. Non, je préfère ces phases, hein, perso. Qui sont parfois pour certaines plutôt impressionnantes. Voilà. Ça me donne trop envie de refaire les Prince of Persia. Les Prince of Persia, je trouvais ça vraiment, vraiment, moi, ça avait marqué mon imaginaire. Prince of Persia, surtout que c'est les thématiques, moi qui me parle beaucoup, hein, le voyage dans le temps et tout ça, ça fait. En SF et tout, ça me chauffe grave. Et puis bon, tout ce qui est Perse, vous savez, d'un point de vue extrêmement auto-centré et peut-être. En tête peu. C'est très très cool, il y a tout, ouais. Ça a du temps et tout. Toutes les thématiques qui plaisent, en plus le côté pas FPS, le côté combat, TPS, tout ça, c'était vraiment cool, c'était très dynamique, assez révolutionnaire. Et puis est venu Assassin's Creed qui a waxé la donne. Et ils ont tenté un... Tellement pop. Ils ont tenté quoi? Ils avaient tenté un... Un Prince of Persia qui en cel shading, qui ouais, je savais pas qu'il a bidé, mais presque en fait. Hein. Il n'a pas rencontré son public. Aïe. Peut-être juste... Voilà, de manière très modeste. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va la faire venir. On va la faire venir, elle va ouvrir où je vais ouvrir, et elle va tenir où je vais tenir, bref. Et on va passer. Un truc comme ça. Parce qu'elle était pas non plus... L'histoire était cool. Ouais, c'était pas hyper révolutionnaire. Hein. Enfin, hyper révolutionnaire. L'histoire était cool. Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Quand tu veux. Oui, bah... Vas-y. Ouais. T'es prêt? Oui. Bon, tu peux lâcher. Doucement. Assassin's Creed, quand il est sorti, était très révolutionnaire. Très, très. Et il a récupéré tout le... On va dire... Ah, ça sent tellement l'endroit où on va se battre. Oh non. Au fait, grenade. Merci, Mio. Ok. Merci beaucoup de m'avoir prévenu pour la grenade. Hein. Mec. Voilà. Voilà. Un dernier. Il me reste une balle. Elle est pour qui, mon pote? Elle est pour toi. J'ai pas vraiment aimé le film. Hein. C'est un bon film d'action. Le film, j'ai trouvé très cool. En fait, il y a quelques parties prises. J'ai trouvé ça osé de tenter des trucs sur l'animus.
mais la fin n'a juste aucun sens en termes de cohérence, et pourtant je suis plutôt bon spectateur. Hein. Mais le coup où il protège avec des armées entières l'artefact, et à la fin ils se réunissent en mode cercle des poètes disparus, sans aucune protection, en disant on est les méchants, on a gagné, on est trop fort, et que c'est juste leur ego qui les fait perdre. C'est le syndrome du méchant qui ligote mal le héros et qui dit parce que mon plan depuis le début c'était de venir tout nu et de vous piéger en vous faisant croire que, et le héros qui est en train de se détacher en même temps et qui fait c'est à dire non, pas mon plan. Donc grosse déception sur la chute. Donc grosse déception là-dessus. Et pourtant Michael Fassbender, mais gros acteur. Hein. Et très très bon. Il a réussi à bien retranscrire. J'adore cet acteur. Je le trouve très classieux. Hein, dans Inglourious Basterds, très très bon. Là-dedans aussi, très bon interprète. C'est sûrement la bibliothèque. Oui, tout à fait. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Aucun souvenir. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Moi, je trouvais qu'il était bien, mais je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur le potentiel du mec. Je suis 200% d'accord. Je dis pas ça parce que j'ai pas de personnalité, ok. Ouais, c'est pour. Ah, ça aurait être assez évident, en fait. Moi, que ce soit un trésor. Ouais, et ça recommence avec de la musique hip là. Moi, parmi les trucs qui ont été mais respectés full en termes d'adaptation, c'était Battle Angel Alita. Vraiment, je trouvais ça mais fou quoi. Le travail, on sent l'amour du réalisateur pour l'IP. Et le potentiel qu'il y avait derrière, je trouvais ça incroyable. La première fois que tu vois Alita allongée avec son reflet, on revient après. Dans un petit bar aux Philippines. Oh mec, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme, hein. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais. À côté. Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Passons à l'étape suivante, le hand spinner plutôt. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mind-toi, hein. Chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut. Oh merde. Oh, j'aurais dû crotte de marmotte plutôt là. Attention. Non, toi, attention. Oh là. Ah, je me souviens que c'était pas un enfant. Oh non, non. Oui, très bien. Waouh. Dis donc. Ah, moi j'ai lu Alita, les mangas de Gun, quoi. Et la première fois que j'ai vu Alita apparaître quoi, à l'écran, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Tellement parfaite. Transcrivez les trucs, mais incroyable quoi. Donc niveau adaptation, et pourtant c'est chaud. Et il y avait Prince of Persia en adaptation avec Jake Gyllenhaal. Et pareil, Jake, très très bon acteur. Et une sorte de gâchis là-dessus. De bonnes idées. Vraiment, hein, de bonnes idées. Mais le truc, cinéma popcorn. Enfin, il était temps que tu te pointes. Eh ben.
T'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais. Non, ça arrive aussi dans les jeux vidéo. Mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole. Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? Il n'y pense même pas à Célé. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Ouais, mais je préfère l'autre. Désolé. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Oh. Ces statues sont étranges. Alors, comparons les modérateurs. Ouais, ange, bouquetin, pigeon et chat. Faut que je prenne de la hauteur ? Faut vraiment que je fasse ça ? Ouais. Ah bah voilà ! Ange. Pigeon ? Attends, non. Donc il faut que l'ange soit au nord, que le pigeon soit à l'est. Alors le pigeon, il est en face, l'ange, très bien. Au nord. Ok. Le nord, voilà, le nord est ici. Maintenant, le pigeon, à l'est. Le pigeon à l'est, voilà. Cherche encore dans le journal. Oui, j'ai compris. Ça, ça veut dire que je me suis gouré ? Non. Non. Le pigeon à l'est. Le troisième, c'est un bouc. Et le dernier, c'est un chat. Donc le bouc, c'est au sud. Et le chat, c'est à l'ouest. Le chat. À l'ouest. Bah voilà, on y est. Et le bouc. On a dit quoi pour le bouc? Le bouc. Pas à l'ouest, le pigeon? Attends. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais que c'est pas ça. Mais j'ai réussi les trois autres. Hein. Au sud. C'est ça. Allez, mange-toi, Nate. Je fais que ça. À se rendre compte que quelque chose cloche. Oui, mais ils viendront après la cinématique, pas avant. Eh bien alors ! Bingo ! Incroyable.
Ok, très bien. Oh, oh. Encore une bibliothèque. Ok, quoi encore? J'ai tellement ce que tu ressens. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et oh non. La torche inversée mène au pays des morts. Ah bah faisons ça alors. Ça a l'air bien de faire ça. Oh, Calice. Est-ce qu'on serait pas... Ah, pays des morts, pays des morts. Ouais, voilà. On a deux, hein. Toujours les mêmes, Kikwin. Hein. Qui donc ose pénétrer ce temple interdit? Ça a l'air prometteur. Ne touche qu'à la lampe. Ok, laisse-moi voir. Ouais. Ok. Vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu y ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate. Moi aussi, Milouche. Sois prudent. Voyons. Je le suis toujours. Oh, j'avais pas vu ça. Oh. Ah. C'est moi, en fait, ça. Ça, c'est moi dans la rue. Ok. Pays des morts. Me voilà. Yes. Quel plaisir immense d'avancer dans ce nouvel épisode avec Ace et Nathan Vis. Bref, le héros des temps modernes.